en général et nous profiter saluer la population haïtienne qui est dans une situation difficile dans le marasme économique et social que nous trouvons aujourd'hui. Donc, matin, chemin de livres Haïti, Kadoa, nous réunis devant la presse aujourd'hui pour être capable non seulement saluer la participation ensemble de secteurs qui te prennent part en dans l'initiative ça que nous avons organisé vendredi 16 octobre 2020 dans l'Exalta Grâce là et nous profiter saluer ensemble secteur qui était supposé là qui pat là tout pour une raison bien déterminée. Donc jodi a nous même chemin délivrance j'en nous te dit dans cadre campagne nous t'a mené pour que nous t'es capable organiser une messe en mémoire tout monde que régime PHTK assassiné. Eh bien, nous te dit que après, tout de suite après Messla, c'est déjà mobilisation qui déclenche. Et effectivement, dans vendredi, nous avons déposé Jeb Frela et nous te dit, ensemble population haïtienne, nous dénoncer, nous déclarer que nous divorcer totalement avec l'administration président Jovenel Moïse. Donc, jeudi, nous très contents puisque et samedi 17 octobre, ensemble organisation de base, ensemble dirigeants qui parlent tête et langue avec le régime, non? Ensemble monde qui croit que jeudi à faut nous aller vers une transition de rupture pour nous capable aller vers un deuxième congrès national, même je nous dis dans le chemin de livre Haïti, eh bien nous prenons part dans la manifestation 17 octobre. Là. Mais tout, nous avons profité pour nous dénoncer pouvoir en place là qui te mette zam nan mais ensemble de jeunes garçons j'en nous te remarqué dans Delma 95 jodi a nous croit que nous rivé dans situation pas gen route pas bois encore pas gen route pas bois encore les que constitution qui ban nous prérogative pour que nous manifester les nous bagay yo pas bien marché pour que nous protester les nous dirigeant au pape maladie, et bien nous voyons qui ça n'a pas fait, ces âmes qui ont été dans le ensemble, j'ai dit garçon. Et bien je dis, nous venons dire à la population haïtienne, merci parce que vous te répondu vendredi 16 octobre, là, dans le gros message qui te symbolisé un appel à la mémoire de moun yon assassiné, qui te symbolisé une possibilité pour nous prendre énergie pour nous lancer 17 octobre. Là. Effectivement, 17 octobre a réussi, et nous croyons que je dis, nous pas camper. Nous pas camper puisque mobilisation va continuer puisque nous gagnons ensemble d'activités qui gagnent dans le calendrier et tout à l'heure nous pourrons permettre que à ensemble dirigeants qui sont sur table là qui pral bail ensemble d'activités que population va gagner pour prendre part dans jour cap vinn. Donc n'a passé avec maître Asnel qui pral expliquer amplement ensemble d'activités que nous pral prendre dans jour cap vinn. Merci. Malgré toutes zames qui t'a distribué nous montrer clair que la population en sous goumet, la population en sous bataille, et 17 octobre, nous avons montré tout le monde, nous pile béton. Et nous-mêmes, dans le chemin de délivrance, Haïti Kadoa, pas de marche arrière, pas de fait back, pas de fait peur. Nous clair, nous-mêmes nous dit, nèg sa yo qui prend palais national en otage là, nous disons, mission yo, bout. Pas de date, pas de jour, pas de l'heure. Nous t'ai annoncé depuis 16 octobre. Bataille là, recommencer pour la plus belle. Et nous prions aller jusqu'à la victoire finale. Et cette dernière tranche bataille. Quel que soit Jean Yovelet là, et cette fois-ci, nous avons fait la même. Le 17, nous t'ai pris la RIA pour nous montrer nous pas peur. Malgré tout ça que tu as dit dans la vidéo, tout le monde qui a servi à examen pour intimider les gens, c'est parce qu'ils ont fait. Et c'est parce qu'ils ne sont pas clairs. Et nous-mêmes, nous avons un combat dynamique. Nous avons une bataille politique. Et nous disons, c'est ça, Régio, fini. Et nous disons, PHTK, les criminels, assassins, Régio, fini. Et nous avons un appel. Tout le monde qui dit qu'on est en opposition, il n'y a pas de dégobé sous bataille peuple là. Nous tous connaissons
qui est-ce qui problème non? Je dis, il faut gagner un seul langage. Clair pour nous débarrasser le pays de messieurs ça. Donc, Jovenel Moïse, un assassin, un criminel, un corrompu, nous capable de dire extrême. Et c'est bataille ça, nous-mêmes, chemin de délivrance, Kadoa, nous dit pas de route, pas bois. Avant 7 février 2021, il était plus bon, il était plus important pour Jovenel ou être colle sous pouvoir. Parce que, nous disons, c'est la dernière fois qu'il n'a pas de mettre l'en prend la ria pour y tirer sur nous. C'est la dernière fois pour nous prendre la ria pour nous mettre à tomber. D'abord, nous avons une bataille. Nous sommes en phase pacifique. Et si vous comprenez, c'est seulement qu'on goumé. Si vous comprenez, c'est seulement qu'on bataille. Nous avons référé à Allemand de Makout François Divalio. Allemand de Jean Bissio. Nous-mêmes, jusqu'à présent, nous bataille démocratique. Et Jovenel, il n'y a rien à toute équipe là. Nous disons pour lui remettre le pouvoir. Et dans le dernier moment qu'il vient là, la bataille là pour être faite. Quoi? Et nous ne pouvons pas accepter pour piège dictature. Comprendre qu'à imposer dans le pays d'Haïti. Nous craignons, à partir de 16 octobre, nous te dit bataille là. Recommencer, nous pas un jour, nous pas une date. Nous quand nous arrêter là, nous à minuit. Nous arrêter là, nous à 1h du matin. Nous arrêter là, nous à 8h du matin. 5h du matin, bataille lancée jusqu'à ce que nous débarrassions nous des équipes sanguinaires, sans maman, sans papa ça, qui promenaient toutes les populations. Merci à pile, c'est Alexis Dastel, porte-parole chez Mède de Grosse. Dans même vue que ça, on a salué la presse, écrit, télévisé, les internautes. Et on a profité au cas où on salue la population haïtienne, dans l'engagement qu'elle prend pour renverser le régime ça, l'autre des choses. Nous même au niveau Unibaz, que tout le monde connaît, Unibaz, c'est mon initiateur chez Mède Livrance. Et tout le monde connaît tout que bataille que Unibaz a déclenché depuis 10 mai 2020. Pour déraciner, déloger 9 gangs qui sont dans le conseil électoral là. Donc, nous avons abouti à la bataille ça. Mais je dis à là, le constat que nous fait que pouvoir, partant de la raison, il a justement monté un KEP créé électoral Jovenel. Et bien nous-mêmes, étant donné que Unibaz gagne une spécialité dans déraciner le conseil électoral, dans ce sens ça, nous avons écrit, pour gagner. Ça y est plus que 3 mois. Pour te bannou réponse sous correspondance que Unibaz c'est Aris Aveli, l'en demandé pour entamer le processus d'audit dans l'ancien conseil électoral Léopold Bélanger. Jusqu'à présent, nous pouvons joindre une réponse. Dans ce sens, ça, nous profitons de vos messages à Bagouagene pour nous dire même je ne t'ai déraciné le conseil électoral là, eh bien, Unibaz et population attendent réponse, correspondance que tu as adressé. Pour te demander, coup super de compte, entamer le processus d'audit dans le conseil électoral Léopold Bélanger. C'est pour raison ça, jeudi 22 octobre, nous allons tenter nous devant le conseil électoral Créé Jovenel là. Pour nous dire conseil électoral Créé Jovenel là, constitution amendée dans l'article 54.2, il trace ce cheminement pour dire comment monte le conseil électoral. Et puisque même l'article ça dit que il y a deux prêter serment, qui sont aspects symboliques et sacramentels, puisque nous constatons dans notre société que le régime PHTK ça déshumanisé, désacramenté, ou bien de dit tout ça qui a rapport avec valeur institutionnelle, monsieur démantelé, monsieur dévasalisé, eh bien, nous dit jeudi 22 octobre, Unibaz, bal planté piquette, pour dire monsieur, dame, créez, conseil créé électoral Jovenel Moïse là, pour yo, by vague. Parce que ça ne fait pas de résultat. D'ailleurs, dans toute histoire de la société, nous ne pouvons jamais arriver à un niveau pareil. Pour ceux qui sont arrivés à un niveau là-bas que nous trouvons là, côté que le président choisit, en dehors de la loi, pour le montrer un créé électoral, sans qu'il va passer devant coup de cassation, Jean, constitution amendée, dit là, Jean, maman, loi, pays, la PPI a dit, non, article 194-2. Et bien, dans ce sens, nous avons invité la population haïtienne. Pour nous dire la population haïtienne, ça nous est là, nous avons fait, nous avons fait. Et nous avons fait déjà. Nous avons fait déjà, 10 mètres en temps de bataille devant le conseil électoral là. Et qui était chaque vendredi et chaque mardi, pardon, chaque acteur dans le conseil électoral là, chaque secteur. Mais je dis là, il n'y a plus de secteur, puisque tout, dit, tout élément de base, tout secteur qui est secteur vital dans ce secteur,
yo di on va aller dans élection avec conseil électoral ça avec Jovenel Moïse. C'est raison ça qui fait que avec appel que nous t'envoyé par cassation, yo t'étant de la raison, et bien ensemble de juges ont été d'accord pour pas bail conseil électoral la quorum, pour pas bail Jovenel Moïse quorum lorsque Jovenel Moïse pensait à 9 gangs créé électoral et démonstration va passer devant conseil électoral devant cassation, et bien c'est bien contre mal calculé. Conseil, coup de cassation, juge, coup de cassation, tenant des raisons, je te dis clair, je dis à là, nous parlons de dynamique élection. D'ailleurs, on pas qu'à parler élection pendant que nous avons prisonniers politiques. Je dis à là, on pas qu'à parler élection pendant que assassiné moun dans le quartier populaire. Je dis à là, on pas qu'à parler élection pendant que la population lance le 17 octobre, malheureusement, c'est tiré au voie et moun a tiré sous moun. Je dis à là, on pas qu'à parler élection pendant que nous connaissons gang qui fait des rangs dans la société, monsieur gang de la société, côté gang et la voix au chapitre. Pour la population défi, pour la population, pour personne même pas prendre la rue, sinon, il y a gagné 4 sur. Bien malheureusement, population bon côté parle pas de prendre la pression. D'ailleurs, vu de frustration, de insécurité planifiée, insécurité physique, insécurité alimentaire planifiée, vu de massacre qu'a fait dans nos sociétés, comme par exemple, étudiant Grégory Saint-Hilaire ainsi que et bâtonnier. Nous tombons, et mais je dis à la, nous dit non, puisque la société n'a pas prêt pour aller à l'élection avec le groupe gang Zao, eh bien, nous avons tout dit, le conseil électoral qui crée Jovenel Moïse là, nous avons dit yo, pour yo bailler les gains, parce que je dis, nous allons piler le béton devant le conseil électoral là, pour nous dire neuf créer Zao pour la GPO, parce que maman loi pays a dit comment pour nous montrer un conseil électoral dans la société, principe, règlement, statique, nous avons dit, société haïtienne dit comment yo monter conseil électoral donc dans sens ça c'est raison ça fait journée aujourd'hui là au niveau ni base qui c'est mam initiateur chemin délivrance et bien n'a pas invité la presse n'a pas invité toute structure organisée qui croit dans bataille ça qui croit une grande société qui croit que élections sont outils démocratiques et équitables donc puisque on pas une société équitable puisque on pas l'état son état délinquant que gagne et bien n'a dit nous avons invité à tout le monde pour accompagner Nibaz jusqu'à jeudi 22 octobre 2021. Merci.